Tu avais raison. C'est quand même dingue. Attends. Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de dire, t'as rien. Hein? Ah non, j'ai le droit de rien dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous allez dire que ce que vous avez pensé? Ils vont se débrouiller, je sais pas. C'est fou, quoi. Ouais. Ça donne une idée sur la capacité de nuisance. Est-ce que c'est divisé? L'Algérie a dû intervenir auprès des Algériens. Moi, je t'ai annoncé depuis une semaine. La direction est au courant depuis une semaine. Et là, elle fait un coup de téléphone de la direction en disant non. Et j'ai pas d'explication, hein, j'ai rien. On va faire plusieurs émissions rien que sur ça. Hein. Ben écoute, déjà fais le savoir. Hein. J'essaie d'imposer une autre émission. Alors c'est ce qu'on dit. Ils disent on t'invitera un autre jour. Je ne comprends rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon. On doit aller discuter. Oui, bien sûr, ben évidemment. Je crois bien que ça me fout dans une merde noire. Je ne sais pas comment on va gérer ça. Je te tiens au courant. Tu dis un mot, disons que. Je connais pas les pressions, je sais pas. Donc j'attends que le présentateur s'arrange. Il retourne. On a un meuble pendant les 20 minutes. Hein. Et vous, pendant les 20 minutes, là, il faudra meubler. Oui, en plus. Je te réponds, mais c'est invraisemblable. La première fois que ça arrive. Mais cela dit, ton explication est la bonne. Je pense qu'il y a dû avoir une pression d'Alger. Ou... C'est sûr. Il y a que ça. Ah, quand même que la chaîne accepte de reculer. Alger sur divisé sur le canal. Eh bien, dis donc. Bon, je dirais que nous parlerons une autre fois. Je vous promets de parler une autre fois d'actualité. Je vais laisser le présentateur civil qui est en direct avec la direction. Ok, je te tiens au courant.